une bonne aventure. Je viens de divorcer d'avec ma femme. Elle est très heureuse avec Poulain. Je lui laisse tout. Elle manquera de rien. J'ai acheté une maison à la campagne, pas loin de Paris, pour vous et vos enfants. Et je viens vous demander humblement si vous voulez bien m'épouser. Comment ? Un jour, vous m'avez demandé si ça m'était arrivé d'aimer vraiment quelqu'un. Et j'avais pas répondu. Parce que je savais pas. Maintenant, je sais. Maintenant, j'aime vraiment quelqu'un pour la première fois de ma vie. Alors écoutez, monsieur Lévé, vous avez habité chez moi. D'accord ? Je vous ai sorti de vos invêtements. À un moment, je vous ai demandé de m'aider et vous n'avez pas pu le faire. D'accord ? Vous avez eu des remords. Vous avez été très gentil. Et dans un moment de faiblesse, vous et moi, on a couché ensemble. D'accord ? Eh bien, vous voyez, cette histoire, elle s'arrête là. D'accord ? Elle est terminée, l'histoire. Terminée. Vous comprenez ? Terminée. Je vous aide. C'est ça, j'en parlerai à mon cheval. Je veux vous épouser. C'est ça, m'épouser. Puis quoi encore ? Vous croyez qu'on épouse des gens comme ça ? Est-ce que je veux, moi ? Ça vous intéresse ? Mais moi, je ne veux pas de vous, moi. Pourquoi vous ne voulez pas de moi ? Il demande pourquoi. Mais parce que vous êtes blanc, monsieur Bévu. Parce que vous êtes le patron, tout ce qu'il y a de patron. Parce que vous êtes le type à qui on ne peut pas faire confiance une seule seconde. Parce que vous prenez tous les gens pour votre boniche. Parce que vous n'êtes même pas foutu de porter un filet approvisionné de la vie de malheureuse assiette. Parce que vous avez de la gadoue plein les yeux. Parce que vous croyez qu'on peut tout acheter. Parce que vous avez pris tous les jours le grain de vie pendant que moi je me crevais la peau avec mon boulot, mes 5 gosses, et encore faire vos commissions et vous sortir du pétrin. Parce que je vous emmerde, monsieur Romuald Blédé. Parce que je préférerais crever la gueule ouverte que de vivre un seul jour avec un type comme vous. C'est comme ça que je suis. Non, c'est pas comme ça que vous êtes. Ce que je vous ai dit là, c'est de la gnognotte à côté de ce que vous êtes. C'est comme ça que je suis, c'est vrai. Mais j'ai changé. Au revoir, monsieur Blédé, et bonne chance.